Bonjour, bienvenue dans Champ TV. Champ TV, la web TV champenoise. Je suis avec un chef, pas n'importe lequel, c'est Eric Geoffroy. Alors, traiteur, cours de cuisine, chef à domicile aussi. Atelier culinaire ? Oui. Petite technique, quelque chose, moi, que je n'avais jamais vu, et peut-être que vous aussi, vous n'avez jamais vu. Alors, on a un œuf ici. C'est des œufs bio. J'affectionne particulièrement les produits locaux et bio. Et effectivement, je travaille depuis le début de l'année, je dirais, sur l'œuf. Et je trouve que c'est un produit extraordinaire, d'une simplicité extrême, mais pas toujours facile à travailler. Alors, ça, vous allez me dire, l'œuf, bah, tout le monde connaît. Oui, bien sûr, c'est peut-être l'aliment le plus consommé, le plus utilisé. Mais là, il y a quelque chose d'assez original. Oui, alors, regardez. La cuisine, vous voyez. La cuisine, on peut s'amuser. Je pense qu'il faut s'amuser en cuisine. Pour revenir en cuisine, il faut prendre du plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est que cet œuf ? Alors ça, c'est en fait celui-ci qui a été un tout petit peu travaillé. Et celui-ci est cru et celui-ci est également cru. Donc, vous avez celui-ci qui est dur et celui-ci dur mais pas cuit, cru. Et celui-ci qui rebondit. Comment on obtient cette forme très spéciale ? C'est pour eux, puisque le petit poussin va devoir respirer, donc c'est pour eux. Mais la coquille est en calcaire, et le calcaire se dissout au vinaigre. Donc si vous mettez cet œuf toute une nuit dans du vinaigre, de 8% d'acidité, vous allez obtenir ceci tout simplement. Alors comment on va utiliser dans une recette cet œuf ? Alors après, on peut s'amuser tout simplement à le cuire comme un œuf poché. L'œuf poché, vous savez, vous cassez un œuf dans une eau bouillante, légèrement vinaigrée éventuellement, il y a un peu de sel, et vous avez ça. Mais par contre, la forme est un peu difforme, si je puis dire. Par contre, ce qui est intéressant dans cela, c'est qu'on peut s'amuser avec des couleurs. Si vous me faites cuire ça dans de l'eau noire, noircie par de l'encre de sèche, du charbon végétal, de la chlorophylle, du roucou, qui est la fameuse poudre qui colorie et qui donne cette couleur orange à certains fromages, vous allez obtenir un œuf original, de couleur que vous avez choisi. Voilà, ça c'est du jamais vu. Regardez-moi encore une dernière fois ces œufs, donc qui ont été dans du vinaigre pendant toute une nuit. Voilà, vous allez pouvoir épater vos invités à coup sûr. Merci, voilà. Eric. Ouais, c'est un plaisir. Et à bientôt sur Champ TV, votre TV champenoise. Salut.